Je vis à Shanghai, comme 18 autres millions de personnes. Nous avons tous des buts différents, des espoirs différents, des rêves différents. Mais nous avons tous une chose en commun. Shanghai est notre ville. Nous appartenons à cette ville et cette ville nous appartient. Quand vous aménagez dans une nouvelle ville comme ça, que vous commencez à construire une nouvelle vie, les gens que vous rencontrez, d'une certaine façon, deviennent votre famille élargie. À travers l'histoire, des villes ont exercé un magnétisme sur les gens, presque tel un pôle magique. Et ici à Shanghai, cette énergie est palpable. Je suis Nancy Merrill. Quand je suis arrivée pour la première fois à Shanghai, j'entendais tout le temps le terme « nouveau shanghaïen ». C'est un terme large qui s'applique à ceux qui ont quitté leur maison et qui se sont transplantés ici. Il y a plusieurs catégories, mais un groupe qui m'a fascinée sont les jeunes gens éduqués qui utilisent leur diplôme universitaire comme tremplin. Et Malian est un de ceux-là. Il vient de la province rurale du Gansu, dans l'ouest de la Chine. Dans le cadre de son programme universitaire, il a commencé à travailler dans le département d'ingénierie du bureau de l'Expo. Oui, maman. Oh. Nous sommes là. Ah. Oh, regarde le voir. Ah. Regarde le voir. Regarde là. Oh. 其实前想跟说的说是可能回家一趟再可能因为是要开个南京要开个果子回去了就是工程管制的可能在内部好了嗯内部好在如果是七月份吃过的话吃过之后可能内好啊就是这秋分内一趟啊你在桌上锻炼的还坚持着吗 坚持着呢。由同学们要想一句激励的口号，因为我们每天的激励。Et voici Huan Ying, venu en Shanghai en 2004 de la province voisine du Jiangsu. Elle enseigne l'anglais dans une faculté locale et travaille en tant que formatrice à temps plein au pavillon africain. Et elle, c'est Amelia Heaton Renshaw d'Angleterre. Elle est venue avec une maîtrise en ingénierie et un contrat de travail pour une compagnie de voitures de sport qui crée des intérieurs de voitures de course. Mais maintenant, elle a démarré une petite entreprise alimentaire et fait de la confiture et du chutney dans sa propre cuisine. Shanghai est une ville avec une longue histoire d'immigration. Et j'étais curieuse quant à quand et pourquoi c'est devenu un paradis pour les gens de l'extérieur. Alors je suis allée à l'Institut des sciences sociales de Shanghai
pour rencontrer l'éminent professeur Lu Renlong, un sociologue qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. How many tides of migration have there been in the whole history of Shanghai? Would you describe each one of these tides? 1840年鸦片战争以后呢，这个上海开埠，这样呢就使得这个现代的欧美的工业呢就进入了中国，而且上海有这样的一个棉纱纺织的这么一个基础呢，而在常州啊、苏锡常这一带的很多妇女女工呢，也都进入上海呢，进入这个纺织行业，所以这里面呢，使得上海的移民呢就越来越多。就上海开埠这一年呢，太平天国运动，从1854年一直到这个1864年，这十多年的时间里面呢，因为太平天国运动呢，使得江南一带的这个民生生活是发生了很大的变化。一些有钱的人呢，都带着钱财呢，他们就逃离了这个故乡呢，来到了上海，因为上海是租界，可以给他们一些保护，所以呢，这样就使得上海呢，就有了一笔很大的出世的财产。所以上海城市这个经济的实力呢也越来越强大，同时移民人口呢也有了很大的增加，这就是可以说是上海开埠以后的第一次移民浪潮。20世纪跟19世纪交界的时候，大家也知道，中国也出现了这个义和团运动，那么这些呢都是跟太平天国这些战后呢延绵在一起呢，都带来了大量的这个逃难的移民，这是我们说的这个第二次的比较大的移民潮。第三次比较大的移民潮呢，是在20世纪的30年代，就在抗日战争时期，从1931年这一直到37年，这个战前的十年，已经从37年到45年的这个抗战时期，到45年以后的解放战争时期，这样差不多延绵了十多年，基本上中国是在战乱之中。Heureusement, Shanghai n'est désormais plus un refuge pour ceux fuyant la guerre. Et maintenant, la ville tourne toute son attention vers l'événement de l'Expo 2010. Ma Liang amène les enfants de sa ville natale visiter le pavillon de Chine. Ils n'ont qu'une journée pour visiter le pavillon de Chine et il est déterminé à s'assurer qu'ils le voient ainsi qu'autant d'autres pavillons que possible avec le peu de temps qu'ils ont.是在甘肃那边，他们这里过来，我是想协商一下看行不行。好，算了，不要了。这个怎么是这么难？以前看过 4D 电影吗？知道，他就是说你看了以后呢，就相当于你在电影里面一样。你看，他这个是个环幕的嘛。Ma peut lire la curiosité et l'excitation sur leur visage. Il est familier avec ces expressions, comme ça lui rappelle sa propre enfance. Il faut dire que nos maisons sont des montagnes, le professeur nous dit que vous avez lu le livre, vous devez aller à Shanghai.但是也没有很深刻的理解说这到底是什么意思，但是随着不断的读书呢，我们感觉到确实是需要通过自己的努力吧，就是把自己的命运得到改善。从我们班的情况来看，大多数都是回到我们老家里面工作，但是也有一些呢，包括我就是想在外面还是在闯荡。那么旁边这个小孩子呢，parce qu'il fut un temps dans l'histoire chinoise où les gens ne pouvaient pas se déplacer librement d'une ville à l'autre.
国成立了以后呢，也有大量的移民进入上海，所以在整个50年代的时候，经济也有了比较大的发展。从1958年以后，中国实行了这个户口管理的制度了以后呢，这个控制大城市人口，这个、城乡呢开始有点隔离，所以呢这样呢就使得上海的移民呢是处于一个基本上停顿的状态。这种现象呢一直维持到80年代，80年代初做的调查我们都可以看得出来，这时候上海呢其实已经是80%以上的人口呢是出生在上海，而在50年代做的调查呢，这个当时是有近80%的人口呢它是从外地移到上海的，所以这是两个非常不同的两个80%。改革开放以后呢，可以说我们从90年代开始一直到现在，又有一个非常明显的移民潮。那么这次可以说是上海历史上第4次比较重要的移民潮，而这次移民潮跟前3次移民潮一个根本的不同呢，前3次呢基本上都是跟战争有关的，而我们第4次呢是改革开放以后呢，基本上是经济推动。上海城市的发展跟经济的发展呢，它有这种对人才的一种需求。所以能够第一批进入上海的这些移民呢，大部分他们都是有一定的学历或者有一定的技能，他们是有一定的敢于闯的这个精神。Amelia est une femme aux multiples talents. Elle est intelligente, elle est travaillante, elle sait cuisiner. Tout ce dont elle a besoin maintenant est d'un peu de chance. Bien que son ancienne compagnie tomba en faillite, la laissant sans rappel de salaire de 3 mois, elle n'est pas du genre à abandonner ou à se plaindre. Elle espère que sa petite entreprise alimentaire deviendra un jour une grosse compagnie. This is tea, my hat's on. This is the blueberry jam. So it's a little, it is a little tricky, but once you get practice, if you have the lid on and then just push down and wrap like that, I'm sure you can find your own way to. Don't count on it. To do it. No, wait. A little pretty bone. Wait a minute. This is not working. Why did you decide to do jams? I mean, why jams? Nothing wrong with jams. No, the long shelf life. You know, they have a year in these jars, and I wanted to do cakes, but it's such an immediate thing to sell. How are your sales going? They're going much better recently. The summer has been hard, so I sell about 200. Ideally, I want to sell 200 jars a month. Does this make enough money to support you if here I'm in Shanghai? If I'm selling 200 jars a month. You are? If I am. And I'm just building up to that now, but the summer went right down to about 60, which is terrible. Was that because of the heat? In July. Well, a lot of people, I'm still relying on the expat market, and majority of those people leave, or the mothers take their children back to their home country. And so I'm left with husbands who don't shop. And or don't buy the groceries. Don't buy the groceries. Uh-huh. So. And then I would do. And I need a little. The problem the expat market is that it changes. Quand j'ai appris que Ma Liang était à l'hôpital, j'ai été surprise. Il semblait tellement solide, tellement en santé. Il a développé une fièvre et une toux, a vu un docteur et a pris quelques médicaments. Mais sa maladie ne s'est pas estompée et il a continué à travailler. Ses symptômes ont fini par se transformer en une pneumonie inflammatoire. Well, what did your mother think when she found out you had pneumonia? Actually, I haven't told my mother about my sick. Why didn't you tell her? Because I think she will be very worried about me. So after I recovered, I will let her know. What happens after Expo? Actually, after Expo, I will go to USA for 1 year exchange study in Stanford University. In California? Yeah, in California. What do you think is going to be your biggest expense when you finally settle down here in Shanghai? Absolutely, a house to live. This is very hard. I think first, I had better to rent a house, not to buy a house. And then maybe I can meet with my future girlfriend or future wife, and we can buy the house together.
It is not very easy to have a girlfriend in Shanghai city because you are from outside of Shanghai. Ma va définitivement mieux, mais je pouvais voir qu'il se fatigue facilement. Toutefois, je pouvais sentir que la meilleure médecine qu'il pouvait avoir était une retrouvaille avec ses parents. Je suis allée visiter Roy Ying à son emploi au pavillon africain de l'Expo. Dans une grosse métropole, la plus grosse dépense est le coût élevé de la vie et Shanghai ne fait pas exception. Comme faisant partie du plus jeune groupe de nouveaux Shanghaiens, Roy Ying doit faire face à ce problème. Elle m'a raconté son histoire. Comment elle en est venue à acquérir un appartement par le biais de la loterie de son université. Je每次来的时候都会打开抽屉透透风，或者看看下水管道有没有漏水的地方。 这个房子是今年4月底刚拿到的，当时回想起啊，去年的时候，九月份的时候，那个选购的过程啊是还非常有意思，学校设置的一些这个规则也是特别有意思。我在我印象中就是，有几个老，有些老师呢，他们。 根据自己的这个职称啊、学历啊，还有自己的职位啊，打分是一样的。那么后来怎么办呢？学校就让分数相同的老师，来到这个台前呢，根据这个台上有几张这个扑克牌，选出，然后有这个几位老师开始这个选牌，如果是抽到这个。 扑克牌这个数字最大的，那这个老师就是排名是最靠前。 Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. Roy Ying a pigé une carte très faible et fut la dernière à choisir. Mais elle se sent tout de même chanceuse et satisfaite. Elle attend que son mari revienne du Royaume-Uni et espère qu'ils auront un enfant un jour. Friend on the log, and my sister's husband is behind that. And this is your house, your family's house. Yeah. Mm-hmm. Oh. It's a lot different from where you live here. Yeah, it is. And we live. We're surrounded by fields, and that's what I miss. I think I've had my city time here. You think so? Yeah, I never was a city. I never imagined myself living in a city. And I don't want to like live in London. I definitely want to be able to have at least have like a patch of grass. It's obvious from the photographs you have such an extraordinary family life. So what keeps you here in Shanghai? I suppose my company, you know, I've built this and I didn't think it would be as successful as it's been. I mean, as popular as it's been. And I think now it could maybe be successful. So I suppose that keeps me here. I want to see it through. Do you ever feel like you're just going to give it all up and go home? Definitely. If you do, will you come back? Yes. Yeah. And if you come back, will you stay? I think so. So you think Shanghai gives you an environment to sort of actuate a dream? Yeah, I do. I think a lot of people come here to actuate their dreams. Do you think you're brave? Sometimes. Sometimes I think I'm mad. You're not mad. I think you're brave. And you're a wonderful cook. Thank you. You're going to do very, very well. Here we go. I'll give you some. Great. Instead of champagne, we're going to do this, okay? No, no, we have to cheer. Cheers, yeah. Cheers. Oh, yours is tiny. It's okay. <笑>最开始呢，我是住在学校里面的，但是呢，实在是太不方便了，我就索性直接搬到世博局的对面。
这样的话呢上班就非常方便了，早上呢可以稍微睡的时间久一点。每天呢就是有时候下班以后啊就站在这个窗口来看来往的车辆，然后看着这个世博园区的建筑啊逐渐逐渐的成型，到最后有很多的参观者来参观，觉得每天都有非常强烈的一种自豪感吧，感觉自己也是在为世博再出一份力量。Cette chambre, pas plus grande que 7 mètres carrés, est la maison de Ma Liang. La chambre est trop petite pour avoir une armoire, alors il doit suspendre la plupart de ses vêtements sur le balcon. Il ne se plaint pas de ses conditions de vie. Il croit qu'un jour, il achètera sa propre maison à Shanghai, une maison assez grande pour héberger sa mère et son père. Divers groupes de migrants jouent un rôle dans la ville. Ils sont entortillés dans une danse réglée, une danse qui fait que cette ville fonctionne. Mais la compétition est féroce et la scène est bondée. En 1990s, Shanghai也希望吸引人才进入上海，也鼓励这个经商人员进入上海，所以呢，也曾经采取这个蓝星户口的制度。就是规定在上海这个有一定的投资或者说是技术可以呢进行这个进行蓝鹰户口的登记，那么这个政策呢一直维持到这个本世纪初，然后呢我们就推行了这个居住证制度，那么这些制度呢都是对应于户口制度对这个城乡人口流动的一种限制。而根据我们的户口制度，因为实行30多年的计划经济体制呢，它也使得就是说很多福利跟社会管理呢，它是跟户口制度是捆绑在一起的，所以这呢也是对人员的流动以及人才的正常的这个工作呢是会带来一定的影响，这点呢都对上海这个保持它的移民的一种活力呢是一种挑战。所谓海派文化，其实它就是两条，一条就是移民文化，一条就是非正统，所以这两条假如没有的话呢，上海可能这个精神活力呢就会带来很大的挫折。Quand je pense à ces jeunes rêveurs, je réalise que pour eux, il n'y a qu'une chanson qu'ils entendent. C'est la chanson d'une ville. C'est la plus forte, c'est irrésistible, et pour eux, c'est la seule sur laquelle danser. Et pour cette prochaine génération qui est pleine d'enthousiasme, ce pourrait très bien être pareil. Un, deux, trois.